une magnifique nouvelle. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8, les chroniqueurs se livrent régulièrement sur leur vie privée. En janvier dernier, CEST Benjamin Castaldi qui avait créé la surprise en annonçant qu'il allait devenir grand-père pour la première fois. Jeudi 7 juillet 2022, Jean-Michel Maire a à son tour annoncé un heureux événement. Ému, CEST alors que l'animateur lui a demandé comment il allait que le chroniqueur a répondu, « Je vais très bien. Point, je marie mon fils dans quelques jours. » Samedi plus précisément. Surpris, Benjamin Castaldi s'est exclamé, « Non, CEST pas vrai. Félicitations. Ah CEST beau. » Une nouvelle applaudie par les chroniqueurs, mais aussi le public de l'émission. À 60 ans, Jean-Michel Maire est le père de deux enfants Romain, 28 ans, et Mina, 21 ans. Le 16 avril 2020, sur le plateau de Ce Soir chez Baba, sur C8, il avait confié avoir des regrets. Je réfléchis sur ma vie de papa. Je pense que je n'ai pas été assez présent pour mes enfants. J'y pense particulièrement en ce moment parce que je ne les vois pas, par peur de les contaminer. La période me pèse. En plus, mes enfants m'écrivent beaucoup et je me dis que je suis peut-être passé à côté de quelque chose de très important. Et ça, je le regrette, avait-il confié. Ex-grand reporter pour Le Figaro, Jean-Michel Maire était souvent sur le terrain et a ainsi l'impression d'avoir été un père absent pour son fils. Jean-Michel Maire, je l'aimais énormément, mais je ne lui ai jamais dit ému, le chroniqueur avait dévoilé, je suis parti du principe un peu vieux qu'un garçon, si est plus indépendant. À ma fille, je lui dis tout le temps que je l'aimais, alors que je ne le dis jamais à mon fils. Évidemment que je l'aimais énormément, mais je ne lui ai jamais dit, par pudeur, je pense. N'ayant pas réussi non plus à le dire à son père sur son lit de mort, Jean-Michel Maire avait glissé, il savait que je l'aimais, mais je n'ai pas réussi à lui dire. Évoquant sa vie privée, il avait expliqué en octobre 2020 sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8, j'ai deux enfants et j'ai été séparé des mamans très tôt, si estime ma faute, si estime moi qui ai décidé de partir parce que je n'avais pas envie d'être volage et j'ai préféré qu'on se quitte sans faire de conneries. Quelques années plus tôt, pour Télé Loisirs, il avait confié à propos de son fils, Romain, mon fils, lui, c'est que son père est barré, il est beaucoup plus sérieux que moi.